Coucou Mélion, coucou Mélion, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Quant à moi, je me porte super hyper bien. Mélion et Mélion, quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis, quitte à ce que ça plaise ou ça déplaise. Vous savez que la page est restreinte, vous savez que la page est totalement restreinte, vous savez que c'est gâté. Alors, millions et millions, merci de faire un tour de partage afin que ceux-là qui ne reçoivent pas les notifications puissent être informés que je suis en direct. Merci de faire un tour de partage afin que ceux qui ne voient plus que je suis connectée puissent être informés que je suis toujours présente. Mais qu'à cause des restrictions de Zuckerberg, de pas Zouk, voilà, on doit coder, je suis Ongata depuis un certain moment. Je dois dire mes vérités à certaines personnes. Je dois dire mes vérités à certains rombières qui se baladent de page en page pour vilipender, pour dénigrer les soeurs camerounaises. Je dois dire mes vérités à ces mamans-là qui ont raté leur vie, qui s'asseyent sur Facebook, qui créent des clans pour incriminer notre personne. Aujourd'hui, c'est Lolo, demain, ça va être notre personne. Chacun bouffe son djangis là sur la toile. Nous avons assisté l'autre jour à une émission d'Aïcha Sol où il y a l'ex de Tata Lolo qui est venu. Cet homme-là m'a dégoûté. M'a dégoûté, pourquoi? Je vais vous dire. Je vais vous dire pourquoi cet homme-là m'a dégoûté. Parce qu'il a passé du temps avec Tata Lolo. Il a, je ne sais pas si je peux dire, abusé de sa Francine. On dit que vulnérable. Vul quoi là? Hein? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un pour compléter un peu ma phrase là? Vulnérable. Vul quoi là? Vul quelque chose là, s'il vous plaît, Mélion, c'est Mélion. Complétez-moi un peu la phrase ici. Vul quelque chose. Vu quoi là, s'il vous plaît, pardon, complétez d'abord avant que je continue la phrase ici là. Complétez avant que je continue la phrase ici, s'il vous plaît. Attendez. Parce que nous, on a reçu. Voilà. Vulnérabilité. Voilà, millions et millions. Il a abusé de sa vulnérabilité. Mais je suis choquée comment quelqu'un, un père, un gros père, il vient s'asseoir sur Facebook. Il commence à raconter comment ces débats se sont passés et tout et tout. Mais est-ce qu'elle a dit qu'elle voulait retrouver sa vie sexuelle, venir étaler comme ça là? Mais je suis sidérée, maman. Je suis décontenancée. Est-ce qu'elle a dit qu'elle voulait venir détailler parce que le gars est venu détailler? Le gars est venu s'asseoir, comment commencer à détailler le détail? Et attendez, attendez, mesdames et messieurs, je vous fais écouter. Je vous fais écouter. Et mais pour la question, c'est sa soeur. Il va venir aussi s'asseoir comme ça, venir raconter. Comme il s'est assis pour venir raconter. Là, attendez un peu. Attendez un peu. Il faut que je trouve ça. Parce qu'il y a les voix qui ont fuité. Les voix sont dehors. Les voix là sont. Oh putain de merde. Excusez-moi du langage. Les voix là sont où, non? Ah, attendez, attendez, attendez. Attendez, les voix là sont où? Ok, attendez. Voilà. Attendez, Mélion, les voix là. Comment dire, c'est la partie sexuelle de la vidéo qui vous intéresse le plus. Et déjà que je ne parle pas de ça. Ça, ce sont des voix qui sont sorties. L'histoire qui est révélée à l'intérieur. Que la vidéo, on parle de police, on parle de publier, de pénal, ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est la petite partie où on explique qu'on a attaché ici ou ça. Mais voyons. À la fin même, je ne sais pas ce que vous, dans votre tête, vous réfléchissez. Donc, ce qui vous intéresse, c'est la merde. La partie la plus bête de la vidéo qui vous intéresse. Encore si ça t'a froissé ou blessé, je suis désolé. Tu demandes, c'est les chroniqueuses qui posent la question sur ce qu'elles ont vu. J'essaie de détourner avec l'explication. Ce n'est pas ça qui s'est passé. Et je les explique à ma manière pour qu'ils comprennent. Si c'est ce que tu as captivé, ça c'est ton problème, mais je n'ai rien dit pour t'insulter. Rien pour t'insulter. Tout ce que j'ai dit, c'est que toi-même tu as déjà dit dans tes vidéos. Je peux les ressortir. Mais attends, un peu. Le monsieur parle à la télé, hein? Où il voulait nous prouver qu'il est le super Pino. Oui, je ne sais pas. Il parle à la télé, il dit que c'est elle qui lui a demandé de l'attacher.
Parce qu'à vrai dire, la vidéo ou la photo, je n'ai pas vu. Mes yeux n'ont pas vu. J'ai entendu pendant l'émission comme vous. Mais mes yeux n'ont pas vu. Le monsieur parle à la télé, il dit comment il est attaché. Comment couler? Anga coulilé. Le monsieur parle à la télé, il dit qu'il est attaché. Et pourtant, apparemment, tel n'est pas le cas. Ok. Tu espères que quoi, Odin? Que qu'est-ce qui va captiver les Camerounais? Quand on parle que c'est le Japap, les Camerounais vivent du Japap, ils se nourrissent du Japap. Tu viens déposer un truc comme ça, tu dis que tu as attaché une femme, c'est elle-même qui a demandé, tu veux quoi? Odin, je ne t'ai jamais demandé un jour de m'attacher. Je déteste le mensonge. Ce jour, tu m'as attaché parce que je disais que je ne parle pas, je ne sors pas pour aller au restaurant. Tu m'as attaché pas fort, tu t'es dit détache-moi. Sors cette vidéo. Il faut que tu la montres et que détache-moi. Je ne veux pas. Laisse-moi, laisse-moi. Je ne t'ai jamais demandé. Parce que ça, c'est choquant. C'est du mensonge. Tu as menti en pleine télévision. Tu mens sur moi. Tu dis que moi, tu m'as serré le cou. Tu as une vidéo, tu m'as serré le cou. Est-ce qu'il y a une vidéo où tu m'as serré le cou? Je n'étais plus avec Stéphane. Et à l'époque, on vivait ensemble. Est-ce que tu as pensé, moi, je t'ai avec Stéphane? Est-ce que toi et moi, ça a grandi de qui? Est-ce que toi et moi, on se voit? Est-ce que je suis même au courant de ta vie? C'est qui m'a dit? Je suis parti à prison, mais je sais pas, la on s'est croisé quelque part. Depuis là, tu m'as encore vu même mes traces. La dernière fois, il y a une soirée, je suis parti, je suis rentré à celui que je rentre. Je me sens mal à l'aise, je suis parti. C'est même quoi? Vous et Chantal, vous avez mis votre couple pour me tuer? Je ne peux pas laisser cette histoire. Je ne peux pas. Dans la tête, tu dis que tu ne peux pas laisser, ne laisse pas. Va faire 650 vidéos. Moi-même, je vais te pousser. Tu sens, tu parles de moi. Je deviens blogueur à cause de toi. Merci Christelle d'avoir répondu. On dit 150 euros. Voilà. Et on va courir. Et on va courir comme tu veux. Tu m'as posé la question. Je lui dis bien, est-ce qu'il n'y a pas une base sexuelle? Vous avez vu? Va bien m'écouter avant de venir me regarder. Otam, c'est toi qui dois. Mesdames et messieurs, voici un homme. Vraiment, hein. Moi, voici un homme. Tu pars t'asseoir, tu racontes comment tu as tout ma inga. Tu es content. Jusqu'à tu dis que si elle sort, tu sors. Ce n'est pas possible. Tu attendais seulement l'occasion pour être blogueur, papa. Je parle ici à toutes ces personnes-là. Quand une histoire vient se retrouver sur la toile, je fais le choix du sujet que je veux aborder. Vous comprenez? Que ce soit pour les abeilles, pour les quoi-quoi et les quoi-quoi là. Je parle pour tout le monde ici. Parce que moi où je suis ici là, on ne me dicte pas ma conduite. On ne me dit pas ce que de quel sujet je dois parler. Si quelqu'un n'est pas content, il prend sa caméra, il clash là-bas seul. Quand j'allume ma caméra, je dis ce que je pense, quitte à ce que ça plaît ou ça déplaise. Donc je parle aux mamans là. On vient jouer des temps de Oumniobé. Qui s'asseye, oh Aïcha. Pour t'attendre là, tu parles. Tu as pleuré de Flo. Flo mange le macabo. Flo gratte. Je choisis les sujets dont j'ai envie de parler. Donc abstenez-vous. C'est vous qui passez le temps à ramasser vos fesses trempées de mort. Puis vous partez, vous pavanez de page en page. Pou, comment je peux dire ça? Pour divulguer votre haine. Quand vous faites saler sur les pages des gens là-bas, tu viens sur ma page, sur ton gros cul de ta mère froissée. Vous comprenez, non? Ceux qui ne sont pas contents peuvent insulter ma mère. Je ne sais pas si vous comprenez parce que je suis en train de dire. Donc, ceux qui n'est pas content, hein, peut insulter aussi ma mère, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Bah, je reçois des messages. Oh, Aïcha, tu parles de Lolo. Tu n'as pas parlé de Flore. Et alors? C'est toi qui vas venir me dire de quoi je vais parler. Tu n'as pas ta caméra pour parler? Tu n'as pas ta caméra? Je t'empêche de prendre ta caméra pour t'exprimer? Arrêtez ça. Les mamans qui m'aident. Je ne comprends même pas d'abord pourquoi ces mamans-là sont en conflit. Et pourtant, elles peuvent faire ce qu'on appelle l'union fait la force. Moi, j'ai toujours été... On peut faire le Congo sans, on peut bavarder, j'ai toujours été contre les clashs. Parce que j'estime que les clashs détruisent.
J'estime, moi, j'estime que les clans, je détruis. Hein? Blanche Lamelle, avec ta face comme le museau du porc, je m'en tiens sur ma page. Alors, tu peux prendre tes vieilles fesses comme le plateau de la dama. Bon, tu dégages de ma page. Sur ma page, je dis ce que je veux. Tu n'es pas content, tu passes sur ta page, tu peux me clasher. Tu es libre, tu ne me verras pas là-bas. Mais quand tu es sur ma page, ta bouche qui bave comme pour le bulldog, tu respectes mes dires. C'est moi qui dicte la conduite sur ma page et non le contraire. Tu ne te plais pas, tu dégages, tu fais des chiennes. Tu m'as vu sur ta page, je connais ton existence. Tu prends ta vieille collection de 250, tu es venu me parler fort sur ma page. On a pété dans ton cerveau ou on danse la cycle là-dedans. Espèce de fille mal sodomisée comme ça, chienne de la casse, imberbe. Merde alors. Mais il manque, hein? Je suis sur ma page. Vous avez déjà vu, je suis partie sur la page de quelqu'un là-bas. Attendez-moi sur vos pages. Je suis sur ma page, par conséquent, hein? Je dis ce que je pense sur ma page, pas sur la page des autres personnes, des vieilles chiennes comme ça. Dans la vie, vous allez rater vos vies, vous allez s'asseoir sur Facebook, vous allez dicter comment les autres vont avancer, comment les autres vont reculer. On parle des personnes comme ça qui dorment sur les lits superposés avec les enfants. Hein? Parce que mise à part Facebook, quand elle me déconnecte, elle me concentre sur ma vie. Hein? Et on voit bien que dans la vie réelle, j'ai réalisé comme dans la vie virtuelle. Hein? Voilà. Idiote au carré comme ça là. Une erreur de la nature. Quelqu'un qu'on a mis au monde un dimanche, jour du repos. Elle ressemble au fétiche au milieu du désert. Avec sa tête comme le mortier. Cougnafé. Millions et millions. Souvent je vois, vous savez ce qui me sidère ici dans les histoires de vous voyez les mamans là se clasher et tout et tout et tout. Ce qui me sidère, souvent tu vas voir d'autres mamans en train d'engrainer. Wow, Ngos, long lol, Ngoy, Je dis, mais Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Vous n'avez pas le temps. Moi je viens, je parle comme ça. Hein? Je viens, je parle comme ça et quitte dessus. On doit essayer même plutôt d'apaiser ces mamans là. Mais vous aimez, vous avez le cœur rempli de haine et les vieilles mères qui ont fait un an sans baiser. Ce que vous savez faire, vous pavanez de groupe en groupe. Maintenant, les détracteurs de Lolo prennent ça. Vous savez pas que demain, ça peut vous arriver. Ils prennent, ils s'assoient maintenant. Ils se vantent. Tu vois, donc, les 45 moins 10. Hein? Les 45 moins 10. Ce qui est bien, c'est que sur la toile-ci, vous voyez que chacun bouffe son djangino. Voilà. Continuez à vous moquer des autres. Mais retenez que vous êtes des femmes. Aujourd'hui, ça l'arrive. Demain, ça peut vous arriver. Parce qu'on est à l'abri de rien du tout. Nous ne sommes pas à l'abri. Aujourd'hui, c'est elle. Demain, ça peut être vous. Parce qu'avant tout, c'est une femme qui est humiliée. Laissons le fait que c'est Lolo. Laissons ça, laissons le fait que c'est Lolo. C'est une femme qui est humiliée. Par un homme à qui elle a donné son corps. On est devenu protégé. Il étale ça comme un trophée. Comme si on devait seulement l'applaudir. Oui, bravo, monsieur l'attacheur. Mais c'est sidérant. C'est hallucinant. Et quand je vois des personnes se réjouir. Mais heureusement que vous êtes à Paris. Si là, vous partagez les mêmes pénis. Demain, il va vous faire la même chose. Et heureusement que vous êtes à Paris. Là, non. Vous sucez les mêmes bangalas. Demain, je pèse mes mots. Il veut dire que vous ne pouvez rien dire sur moi. Pas vous attaquer sur ma mère. Vous allez vous attaquer sur elle. Attaquez-vous. Hey, prenez, attaquez-vous là-bas. Ne causez que sur moi. Vous avez quoi dire. Vous avez un baladon. Vous avez dit qu'on a un pénis qui est passé chez l'entente d'Aïcha Kamoua. Vous allez voir ça aussi à Paris. Il n'y a pas. Pas il n'y a pas les gars de Paris. On n'y a pas les gars malsains. Tu as les gars qui ont le ndoutou. Un gars peut venir te draguer seulement comme ça parce qu'il a ton mal. Il veut t'afficher. Quand un gars de Paris me drague, fuit. Et elle fuit. Je vous dis, je fuis d'abord. Si c'était seulement, s'il fallait seulement sortir les gars de Paris, qu'elle fait même un an sans. Hein? Si qu'elle fait même d'abord, mais si qu'elle fait même un an sans. Mais heureusement qu'elle compte même pas ces gars de Paris pour nettoyer mes toiles d'araignée. Moi, je vais vous dire quelque chose, millions et millions, du moins pour ceux qui m'écoutent. Au lieu de vous pavaner, allez pousser Lolo contre Flore, allez pousser Flore contre Lolo, allez pousser Perpétue contre Flore, essayez d'apaiser les choses. Vous étiez toutes là en train de dire, oh Seigneur, Céline Nadoyenne est partie, la vie c'est quoi? La vie ce n'est pas bien, oh Seigneur, profitons de la vie.
Pourquoi vous aussi? Vous ne pouvez pas vous réunir pour essayer d'apaiser ces femmes-là. Pourquoi? Quand c'était Flore, je n'ai rien dit. Tes poids, je suis obligée de dire. C'est toi qui vas me dire ce que je dois dire sur Facebook. Prends ta caméra, tu parles. Aïcha, je parle à mon nom. Je ne parle pas à ton nom. Je suis responsable de mes dits, pas de tes dits. Je vous ai dit que vous ne venez pas sur la toile me dire ce que je dois faire. Hein? Je vous ai dit que je suis sur la toile. Oh, pourquoi? Pourquoi quand c'était compression, je n'ai pas parlé? Pourquoi quand c'était l'horloge, je n'ai pas parlé? Viens prendre dans ma bouche, tu parles. Je parle de ce que je veux. Tu n'es pas content, il te bloque. Tu vas te branler ailleurs. Vous comprenez, non? Je dis ce que je veux. Je parle de ce que je veux. Merde alors. Mais attendez. Mais moi, je vous dis seulement, parce que moi, si j'ai quelque chose à dire ici, là, je parle précisément de Monsieur Otam. Qui a des soeurs, qui a des mamans, qui a des enfants, peut-être. Hein? Je vous dis, tu es sur ma page, Michel Grasse. Tu n'es pas d'accord, tu dégages. Tu es sur ma page. Je parle à ceux qui m'écoutent. Attends-moi sur ta page pour t'écouter, pour que tu puisses me parler aussi. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ma page. Je dis ce que j'ai envie. Je m'adresse ici à Melion. Hein? Laissez-moi, oh, Lolo premier de la toile. Je ne suis pas dans vos histoires. Ici. Vos histoires de team là, que c'est des conneries, des bêtises. Je ne suis pas là-dedans. Moi, je ne m'influence pas. Je ne fais partie d'aucune team. Toutes là, ce sont mes tatas. Que ce soit Flore, que ce soit Tata Perpétue, que ce soit Lolo, toutes là. Je dis bien toutes. Je ne suis dans le camp de personne. Quand j'ai envie de dire, quand il y a l'histoire de Chikuchu de Flore ici, là, je suis venue, j'ai parlé, j'ai dit ce que j'avais à dire, sans trop entrer dans les détails. Parce qu'il y avait tellement de versions. J'ai dit ce que j'avais à dire, je suis passée dessus. Mais je répète encore que toutes là, ce sont mes tatas. Donc si je dois faire une action, c'est pour qu'ils arrêtent des clashs, parce que ça les donne quoi? Depuis 5 ans, 6 ans de clash, depuis 6 ans de... Vous pouvez me dire ce que ça les a apporté? Vous pouvez me dire ce que ça les a donné? Michel Grasse, sors de ton faux profil, va te construire une vie. Au lieu de marcher pour les gens. Parce que toi, tu es l'esclave des personnes là. Va construire ta vie. Concentre-toi, tu construis ta vie. Parce que quand moi je parle, j'ai une heure de temps, j'accorde une heure de temps ça sur Facebook. Après, il passe à autre chose. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais vous créez un faux profil. Vous êtes là, je suis abeille, je suis ceci, je suis cela. Pour partager seulement la haine, vous ne pouvez pas partager l'amour. Demain, si vous entendez que l'une d'elles est tombée, vous allez dire que, ouais, Seigneur, la vie, c'est quoi? Et vous ne pouvez pas apaiser les choses. C'est tout à cause de vous que vous voyez ces gens-là se réconcilier après ce gâte. Tu as ta vie, sort du faux profil, tu viens un vrai profil comme moi. Tu as ta vie, tu fais quoi sur un derrière un faux profil? Ben, vous n'avez pas de personnalité. Tu n'es pas capable de t'affirmer. Tu n'es pas capable d'assumer tes dits. Moi, je n'ai pas besoin de me cacher un faux profil. J'ai quelque chose à dire à cette tata-là. Je prends ma caméra, je dis. Et j'assume les retombées. Je prends ma caméra, je m'exprime. J'assume mes retombées. Et ça ne chauffe pas. Personne ne paye le loyer de l'autre ici. Mais moi, je dis quelque chose. La doyenne est partie ici, là. Vous vous êtes levé. Hein? Pause publicitaire. Pour avoir un teint éclatant, foudroyant et lumineux. J'utilise les produits de chez Camoise Beauty. Fait à base d'intrants naturels et organiques, ça ne décape pas. Avec Camoise Beauty, quand tu te balades dans l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Je dis bien aucun mal. Nous avons des représentantes aux États-Unis, en Belgique, en Italie, en Allemagne, au Canada. Nous avons 5 représentants. Nous avons un site internet. Cette perruque est déjà disponible sur le site internet au prix de 150 euros. Vous voyez que la perruque, elle est chargée. Vous voyez que la perruque, elle est dodue. Vous voyez que la perruque, elle est charnue. Elle est charnue, pardon, excusez-moi du thème. Vous voyez que voilà. Elle est souple, hein. C'est pas vos histoires que vous voyez la souplesse de la perruque. 150 euros, disponible directement sur le site internet. Voilà. Donc, Mélions et Mélions, j'étais en train de dire quoi tout à l'heure? J'étais tout simplement en train de dire que vous vous êtes levé ici, là. Oh, la doyenne est partie. C'était une femme comme ceci. C'était une femme comme celle-là. C'était, vous ne comprenez pas que la vie, c'est rien. Vous ne comprenez pas que la vie, c'est rien. Quand vous regardez ces femmes-là, 5 ans, 6 ans de clash, la paix qu'il y a entre Flore et compression, ce n'est pas beau. Ce n'est pas bien. Pourquoi se faire la guerre?
Pourquoi se faire la guerre? Pourquoi se détester? Pourquoi envahir notre cœur de haine? Pourquoi? Pourquoi? Vous faites peur, mon cher. Donc, c'est pas en venant sur ma page là que vous avez dit que Aïcha, que vous avez me fait peur. Que vous avez m'arrêter de ne pas dire ce que je pense. Mon frère, ça fait 10 ans que je suis sur la toile. J'ai encaissé tout. J'ai tout vu, tout entendu. J'ai 10 ans que je suis là. Donc, ce n'est pas les petits commentaires. C'est les vieilles mères qui viennent de connaître Internet là qui vont me faire un peu trembler. Hein? Moi, je dis, pourquoi ne pas mettre la paix? Ça fait 10 ans. Les clashs qu'elles ont fait pendant 10 ans là. C'est quoi le résultat de ça? On vit pour avancer, pour évoluer. En 10 ans de clash, qu'est-ce que ça les a rapporté? Vous ne pensez pas que Fleur et Compresseur sont en paix avec elles-mêmes? Parce que c'est une vie, ça. Tu vas clasher, donc on va clasher. Vous m'avez vu. Quand c'est clash, même quelqu'un, c'est dans la rigolade. Mais ça, c'est des bêtises. Ça, c'est des bêtises. Ton âme, ça noircit ton âme, ça noircit ton cœur pour rien inutilement. Moi, je dis que l'union fait la force. À celles-là qui se moquent aujourd'hui, chacun bouffe son djangui sur la toile. Attendez-vous à ce que une autre personne va venir bouffer son djangui sur la toile. Mais si j'ai une chose encore à dire aux autres personnes, c'est qu'on ne me dicte pas ma conduite. Personne ne m'a amené sur Facebook. Même ma mère était contre le fait que je vienne sur Facebook. Mais même ma mère ne m'a pas empêché de continuer à faire mes directs. Je continue à faire mes directs. Donc, ce n'est pas des personnes dont j'ignore l'existence qui vont me faire peur. Je suis inébranlable. D'un djangui, j'en ai déjà bouffé. J'en ai tellement bouffé que même maintenant, je suis prête à bouffer. Tant que je suis à toi, je vais tout bouffer, d'un djangui. Et moi, je dis tout simplement que les clashs, la haine, ça n'avance pas. Ça n'aide pas. La vie est tellement simple pour la vivre triste. La vie est tellement simple pour remplir son cœur de haine et de mépris. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Vous n'avez pas vu Céline la doyenne, comment elle est partie? Vous n'avez pas vu? Et vous ne retenez pas que la vie, c'est rien? Zéro la vie? Prenez du temps. Moi, je prends le Soko, le Congo, ça, c'est une heure de temps. À part ça, je fais autre chose. Prenez du temps pour vous concentrer sur vos projets. Prenez du temps pour concentrer sur l'émergence de votre vie. Mais ne prenez pas du temps pour vous concentrer à comment vous allez faire pour détruire telle personne. Tu vas la détruire après. Tu vas la détruire après. Fleur et si, fleur et ça, et alors? Et alors? Moi, personnellement, j'ai pas le temps, hein. De venir dire que je n'aime pas quelqu'un, je vais me promener, je vais vouloir que la personne paye. Pourquoi? La personne va avoir le compte rendu avec son Dieu. Hein? Non, mais attendez! Je n'ai pas le temps de dire que je vais détester quelqu'un. Elle s'est moquée. Ok. Mais c'est bien de rendre le mal par le mal. Vous partez à l'église. Vous partez à l'église, non? Vous priez Dieu. Le Seigneur a dit quoi? Qu'on rend le mal par le mal. Vous vous moquez même souvent de vous-même quand vous partez prier. Ok, d'accord. Si elle s'est moquée aujourd'hui, c'est pour elle, non? C'est pour vous dire aussi que vous qui vous moquez, non? Demain, ça peut être pour vous aussi. Parce que nul est à l'abri du danger. Personne, même moi-même qui parle là. Il ne faut jamais dire jamais. Personne n'est à l'abri du danger. Si hier s'est moqué de quelqu'un, aujourd'hui elle est en train de... Voilà sa part d'histoire qui est sur la toile, non. Ok. Ça veut dire que toi tu te moques. Mais demain, parce que chacun a les cadavres dans les placards. Mais vous savez ce qui me sidère le plus? C'est qu'une fois j'ai assisté à un direct. Toujours là direct. Parce que vous avez dit que je vois tout sur la toile. Une maman qui est venue mentir sur l'autre. On l'a attrapée en plein mensonge. Je dis, mais c'est... Pourquoi vous faites ça? Il y a des mamans de 60 ans, hein? Tête! Le chômage, c'est lui qui travaille, la personne le chômage. Vous pensez que moi, j'ai le temps de me balader d'un direct en direct pour aller insulter une femme ou pour aller la vouloir du... Donc, me balader d'un direct en direct comme certaines passent le temps à faire. C'est sidérant. Honnêtement, c'est aberrant, c'est sidérant. Excuse-moi. Bref, moi je vais finir pour dire que tout se paye ici-bas. Le cœur qui est noir,
N'avance pas. Qu'est-ce que vous allez retenir? Mais je sais que beaucoup qui sont cachés dans l'ombre là, pour attiser la haine là, la majorité dans la vie réelle n'ont pas réussi. La majorité dans la vie réelle sont à 30 ans de mbeng. Bilan zéro. Hein? Et que la majorité dans la vie réelle, en mbeng, tu peux entendre 30 ans, mais le bilan est zéro. Quand tu vois une personne qui a un peu réussi, c'est l'aigreur, c'est la haine. Et ça vous apporte quoi? Hein? Ça vous apporte quoi? Pour moi, il faut cesser l'hémorragie. Pour moi, après vous faites ce que vous voulez. Mais je vous ai posé une seule question et vous n'êtes même pas capable de répondre. C'est 10 ans, 7 ans ou 10 ans de clash. Ça a apporté quoi à qui? Moi, je peux vous dire 2 ans de blog, ce que ça m'a apporté. Je peux vous dire 2 ans de blog, ce que ça m'a apporté. Mes réalisations, ça tombe pas du ciel. Même si les hommes veulent associer cela à la prostitution, ils sont libres. Mais 10 ans, bientôt 10 ans dans les clashs, ça les a apporté quoi? Quel est le plus que ça les a apporté? Il n'y en a pas. Alors, il faut stopper l'hémorragie. Unissez-vous pour faire des choses. J'ai vu que Leslie et Aya se sont réconciliés. Mais ça ne sert à rien. Je sais que je prêche au désert. Je sais que je parle pour rien, mais c'est votre vie qui fait pitié. Parce que quand on est venu en Europe, c'est pour chercher. C'est pour préparer l'avenir de nos enfants. C'est pour construire et réaliser. Ce n'est pas pour venir être dans les teams des gens pour inciter à la haine. Ce n'est pas pour venir être les esclaves des teams. Ce n'est pas ça. Parce que quand vous allez partir, quel est l'héritage que vous allez laisser à vos enfants? Aujourd'hui, je ferme les yeux. J'ai l'héritage que je laisse à mes enfants. Aujourd'hui, si je ferme les yeux, mes enfants ne seront jamais dans la rue. Mes enfants ne pourront pas être dans la rue. Mais beaucoup d'entre vous là, qui avez des enfants ici en Europe, je ne dis pas en Afrique, parce que ce que je suis en train de faire en Afrique, c'est le business. Mes enfants n'iront pas vivre en Afrique, je ne pense pas. Mais aujourd'hui, si je ferme les yeux, ce que j'ai réalisé ici en France, ils ne pourront pas être dans la rue. Mais vous, qu'aviez-vous fait? Qu'aviez-vous fait? Et de vous concentrer à fouiller comment vous allez détruire. Moi, si j'offense quelqu'un, je viens demander pardon. Parce que le but n'est pas d'offenser. Certaines personnes m'ont demandé, oui, l'histoire de Tchinku, tu es passé, pourquoi tu n'en as? Parce que quelqu'un m'a appelé et me disant, si tu t'exprimes trop, ça va blesser telle personne. J'ai dit, mon but n'est pas de blesser, je ne suis pas sur la toile pour blesser. Il y a ce qu'on appelle le jugement dernier. Vous le faites peut-être, vous ne connaissez pas. Vous le faites peut-être, vous ne connaissez pas. Mais tout ce qu'on fait, on paye. Moi, quand je pose des actes, je vous ai dit un jour, vous savez, les paroles qu'on sort souvent là. Moi, quand je donne une dose à quelqu'un, c'est proportionnel à la dose qu'il m'a donnée. Vous comprenez? Un jour, j'ai été très insolente. J'ai dit des mots blessants. Un membre de ma famille. Quand ma conscience m'a jugé, je me suis dit, les mots, s'ils peuvent me suivre demain, ça peut suivre mes générations. Souvent, on dit souvent qu'il faut aller se laver. Parce que les paroles qu'on tient ici, c'est très mauvais. Je suis donc allée voir mon tonton. J'ai dit, tonton, s'il te plaît, excuse-moi. J'ai été blessante. Je me suis agenouillée devant lui. S'il te plaît, enlève les mots-là dans ton cœur. Parce que tu peux avoir ce mot-là. Demain, mes générations futures payent. Et pourtant, ils ne sont pour rien. J'ai tout fait pour qu'ils puissent laver ça dans son cœur. Parce que tout ce qu'on fait, on paye. Vous ne le savez peut-être pas. Vous l'ignorez peut-être. Mais tout ce qu'on fait, que ce soit bien, que ce soit mauvais, on paye. Qui sème le bien, récolte le bien. Qui sème le mauvais, récolte le mauvais. Sur ce, j'en ai fini. Je sais que tout ce que j'ai dit va entrer dans les oreilles des sourds. Je sais que tout ce que je dis là, vous vous en foutez. Hein? Mais ce qui est sûr, c'est que
Quand quelqu'un va tomber, on va voir vos propos. Oh, la doyenne était la meilleure. C'était la plus belle. C'était les ci. C'était les ça. Cultivez. Cultivez l'amour. Vous allez voir, par exemple, si je parlais trop d'une personne et que ça a blessé la personne, je diminue. Dans mon Congo, ça, je diminue la dose. Parce que le but n'est pas d'offenser. Le but n'est pas de blesser. Après, vous faites comme vous voulez. Mais je suis sidérée de voir qu'il y a des mamans qui prennent le temps, ils font les 4 heures de direct pour insulter l'autre. Et après ça, quand vous finissez d'insulter, ça change quoi? Ça augmente quoi dans ta vie? Quand tu finis d'insulter, là, tu finis de dire tout ce que tu veux dire, là. Qu'est-ce que ça augmente? Qu'est-ce que ça te procure? Ça change quoi dans ta vie? Ça augmente quoi? Bref, faites comme vous voulez. Moi, comme je vous dis, concentrez-vous. Vous avez vu les mamans ici en France. On t'a dit 30 ans en Europe. Bilan négatif. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. Mais elle a 30 ans en Europe. Mais son bilan est négatif jusqu'à demain, après-demain. Mais quand elle va voir une jeune petite fille comme moi qui essaye, qui entreprend, qui essaye, parce que la vie, c'est des risques, l'entrepreneuriat, c'est des risques, elle va se cacher en faux profil, venir insulter. Sur ce, Méliane, je vais vous laisser. Il est bientôt 16h. Vous connaissez l'heure à laquelle je m'en vais faire les expéditions de Camoise Beauty. Je voulais aussi terminer pour vous parler de l'application TapTapSend. TapTapSend, c'est une application qui vous permet d'envoyer l'argent de l'Europe vers l'Afrique, des États-Unis vers l'Afrique, du Canada vers l'Afrique. J'ai dit l'Afrique, je n'ai pas dit au Cameroun. Donc, on peut envoyer en Tunisie, au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Gabon, au Burkina, Mali, Sénégal, bref, j'ai dit en Afrique. Avec le code CAMOISE237, ce code vous permet d'avoir 5 euros gratuits. Ce code vous permet d'avoir 10 dollars gratuits pour ceux qui sont au Canada, aux États-Unis. 5 euros gratuits pour ceux qui sont en Europe. C'est simple. À l'aide de votre smartphone, vous téléchargez l'application TapTapSend. Quand vous téléchargez l'application, ils vont vous diriger, ils vont vous dire ce que vous allez mettre. Au moment de faire l'envoi, vous allez mettre votre numéro de téléphone parce que vous envoyez l'argent, la personne reçoit l'argent sur son compte Orange Money, MTN Money ou par d'autres moyens, ça dépend des pays au fait. Par exemple, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, et voilà, les gens reçoivent l'argent par Orange Money et par MTN Money. Voilà. Donc, il suffit tout simplement, voilà, et après, tu insères le code CAMOISE237. Ce code te permet de t'offrir des réductions, quoi, tout simplement. Donc, disponible sur Android et smartphone. Je crois que c'est ça, non? Et Apple Store, voilà, Android et Apple Store. Bon, mesdames et mesdames, je vais devoir vous laisser sur ça. Maman. Avant de tout, maman, avant, on doit bien regarder son visage. On doit bien observer son visage parce que c'est sidérant. Mais moi, j'ai mes frères, ce sont les femmes-là qui s'asseyent pour rire. Aujourd'hui, c'est elle, demain, c'est toi. Je peux pas rire. Ça m'amuse pas du tout. Bref, bonne journée à vous, mes lions et mes lionnes. Bonne journée.